Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle partie de World of Tanks commentée. Donc aujourd'hui encore une partie de Energize. Donc je récupère ses replays quand il fait vraiment une excellente partie. C'est surtout aussi pour vous présenter l'AMX 30B. Donc le nouveau tier 10 de la branche française, Medium. Donc il a une assez belle gueule. Hein. Donc un char, comme souvent les Français, en papier mâché. Un énorme mantelet qui peut faire bouncer. Par contre, un canon magnifique, d'une précision de folie, un 0,3 de précision. C'est, je crois que c'est un des meilleurs canons précis du jeu. Une excellente dépression. Donc, vous allez voir ça en action sur Prokhorovka. Donc, une partie tier 10, majorité de lourds dans l'équipe adverse. L'équipe de NR est donnée gagnante. Donc on va voir tout de suite comment il va jouer cette partie. Donc souvent ce qui se passe sur cette map, c'est qu'il y a du camping. Donc dès l'instant où il y a une équipe qui a un meilleur spot, la se mettre de ce côté-là. Ici c'est plus du je te vois plus. Et cette colline qui est importante aussi à prendre. D'ailleurs vous voyez, il y a une masse d'alliés qui y va. Donc là, le premier char spoté. Donc un petit shoot qui passe bien, donc vous voyez la précision hein, quand même super sympa. Je me mets en vue interne. Donc là deux chars ennemis spotés pour le moment. Troisième char. Et quatrième. Il a aussi une excellente portée de vue, hein. Je crois que c'est 410 mètres si je me trompe pas. Donc de base, ça fait bien le job. Donc là l'IS-7, bah, il tire pas, il se lance pas. Essayer de caser une sur Conqueror. Pas cette dépression, donc toujours se méfier de ce qu'il y a à droite, hein. Il a été spot. Vous voyez, dès qu'il est spot, il bouge. Il se met à l'abri. Donc là. Il attend le spot sur la colline pour aider. Le 113 là qui est sur la droite, faut s'en méfier. Vous voyez la précision. Quand même, ça doit être super sympa. Donc là, il aide ceux de la colline là, qui font un bon spot. Là, ça ne passe pas. Absorbé par la chenille. Bonne cadence de tir, hein. Je sais pas exactement combien ça fait. Ça doit être dans les 6 à 7 secondes, je pense. Donc là, tout de suite, il a été spot. Il bouge. Donc là, il attend le spot. Par contre, vous voyez ici en fait, il n'y a vraiment pas de spot. Donc, les trois chars qui sont positionnés là, ils sont vraiment en attente. Donc, le WZ, voilà, c'est ce qu'il fait. Il est en train d'aller spotter. Donc, bonne analyse de sa part. L'allié suite, il devrait être sorti. Il n'y a même pas besoin d'attendre le full réticule. Ça reste. Ça tape dans le mille en fait. Donc ce que j'ai pu voir, les gens qui jouent les nouveaux tiers français, surtout le 9 et le 10, ils font énormément de grosses parties avec. Donc ça a l'air d'être vraiment des chars hyper dangereux, vous voyez. Hein. C'est d'une précision chirurgicale, donc ça fait vraiment le job. Donc souvent les tirs passent sans problème. Le seul truc où il faut se méfier, c'est que c'est des chars assez fragiles. Donc il faut pas s'exposer en fait. Il faut les jouer un peu en deuxième ligne, voire plus loin, donc du snipe. C'est là où ils ont toute leur efficacité et bien sûr en fin de partie peut-être être un peu plus agressif.
Mais si vous avez vu la partie avec le STB1 où il a joué plus agressif, là, il est vraiment, il utilise le char comme il va bien. C'est ce qui fait la différence entre certains joueurs. C'est que ils utilisent leur char toujours pareil, que ce soit médium, léger, voire TD, et ils le jouent pas comme il faudrait. Donc en fait, ils sont pas vraiment utiles dans la partie. Donc là, vous voyez un petit bout qui dépasse, bah ça rentre. Enfin, ça rentre, c'est plein dans le mille, quoi. La bon job de la part du WZ hein, qui a fait du bon spot à chaque fois. Un object. Donc là il réticule et ouais ça passe sans problème. Donc là il est plus ou moins visé j'imagine. L'object. Ouais, 57 qui lui met un coup. Donc là il tire en snapshot hein, pour éviter de se prendre un deuxième coup du T57. Qui celui-là dit en passant est à la gold. La gold fait partie du jeu, hein, donc moi je respecte plus. Hein. C'est en fonction des chars, en fonction de ce qu'on a, bon, ça peut être utilisé à bon escient. Hein, ça fait partie des règles du jeu, donc voilà. Là où c'est un peu plus embêtant, c'est ceux qui gold du début jusqu'à la fin. Donc là, c'est discutable, on va dire. Moi ça ne me dérange pas plus que ça. La seule différence c'est quand on joue full gold, ben, ça revient hyper cher, on perd du crédit. Et quand on est à la paix normale, enfin à la munition de base, parce que on fait du crédit et voilà. Et puis ça apprend à mieux jouer parce qu'il faut bien viser. Donc la flanque tourelle sur T110 ou 5, ça passe sans problème. Bien entendu. Il reste 3 chars en face. Le T110 ou 5, le T57 heavy, on sait exactement où ils sont. Voilà. Donc la médaille guerrier est en poche. Et le T57 heavy, on sait où il est. C'est parti. En même temps, on va voir un peu la mobilité du char. Vous voyez, c'est pas un char qui a énormément de couple. Il a du mal à se lancer, surtout même en descente, hein, vous voyez, hop. Et voilà, on atteint les 50 km/h, donc... mais ça reste correct. Donc là, ben, vu ses PV, il peut y aller sans problème, se prendre un shoot sans problème, mais il faut se méfier parce que 4 shoots et il est dehors. Donc là, il est visé, et il part le sortir aussi sans problème, voilà. Donc les résultats de la bataille, et ben l'as du char sur le 30B, voilà. La médaille guerrier ainsi que celle de gros calibre. Et au niveau des dégâts, ben, il est top dégâts, 6673 dégâts, c'est quand même énorme. En face, c'est un E100 qui est proche de lui, les deux E100, vous voyez, ils ont bien bossé aussi, mais bon, ça n'a pas suffi. Donc 25 tirs, 22 qui touchent, 19 qui percent, et vous voyez ce que je vous disais en utilisant de la paix normale. Et ben on est souvent créditeur quand on gagne la partie. Et bien évidemment, ça rapporte pas mal d'XP. Voilà, je vous dis à très bientôt. Juste une petite aparté, vous avez vu que voilà, je fais des nouvelles intros. Je me suis mis à Sony Vegas Pro, donc c'est pas 100% fait maison, on va dire. C'est des intros que je trouve à droite à gauche, que je fais quelques petites modifs dessus, j'apprends à utiliser le logiciel. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît et je vous dis cette fois-ci à très bientôt. Salut!